Voici un autre épisode des Enquêtes policières du peuple. Bonjour, inspecteur. Oui, bonjour, bonjour. Bon, le corps est déplacé. Hein? Je sais pas. Oui, oui, je me souviens bien. Je suis venu ce matin. Le corps est déplacé. T'as-tu entendu le cadavre? Ça, je te dis, il est vraiment déplacé, ce corps-là. Ben oui, t'es impoli. T'es effrayant. Il est en état de putréfaction, avancé. Puis reculé, il serait dans quel état? Pas essayer. Recule là-dedans, ouais. Do not touch the body! Bon, voilà le fatigant. And do not take any photographs right now. Do not touch anything. And do not talk to the reporters. Bon, où c'est que vous allez, là? Chez Duncan Donut. Semblait bien. Inspecteur! Oui, qu'y a-t-il? Brasse de gear? Je ne parviens pas à rejoindre le sergent Pittenmere sur son cellulaire. Puis le walkie-talkie? Hein? Il est à qui le walkie? Ah, le walkie, t'es qui? Oh, le walkie, t'es lui, je pense. J'ai l'impression que ce meurtre est encore une affaire de mœurs. Eh non, inspecteur, tu sais bien que de mœurs est en prison. Ah, c'est vrai. Et de plus, la victime est connue. On l'a souvent vue à la télé, menottée au milieu de deux policiers. Oui, bien sûr, elle est connue du milieu policier. Allô? Chérie? Écoute, mon amour. Tu vas rentrer pour souper? Je vais essayer. C'est l'anniversaire de Julie. Je sais, c'est l'anniversaire de Julie. C'est la première communion de Stéphane. Oui, la première communion de Stéphane. Mais je sais que pour toi, c'est fini. C'est secondaire. Oui, je sais que j'ai pas fini mon secondaire. Je te conseille d'être là à 6 heures. Pourquoi que la vie est compliquée de même, donc? Pour le moins, vous allez recommencer à fumer, hein, inspecteur? Je t'avais, ouais, avec 3 autres enquêtes en plus. Oh, pour le moins, vous allez recommencer le café, hein, inspecteur? J'aurais peut-être pas le choix. Ça fait 5 nuits que je dors pas avec mes problèmes. Oh, pour moi, vous allez recommencer à boire, hein, inspecteur? Bon, qu'est-ce correct, là? Tu veux bien continuer à la faire de. Oh, pour le moins, vous allez recommencer votre phrase, hein, inspecteur? Bon, qui est-ce? Un témoin oculaire, inspecteur. Quel est votre nom, monsieur? Blue, hein. Pourriez-vous identifier le coupable de parmi ces photos? J'ai pas le temps, faut que j'aille à la radio faire un bulletin de météo. Prenez mon cellulaire et faites-le par téléphone. Ok, ok. Studio. Gaston? T'en viens-tu? Mets-moi donc en onde pour la météo. Ok, stand-by. Alors, regardez les photos. Ok, pas lui, pas lui, pas lui, pas lui. Vous êtes sûr? Non, pas lui. Il est pas assez âgé. Pas lui, pas lui, pas assez âgé, pas lui. Alors, quel temps fait-il à l'extérieur de nos studios? Georges Blouin est avec nous? Pas lui, passager. Cette pas lui termine à 20 la journée. Merci, Georges. 4 degrés, n'oubliez pas notre. Bon, j'en reconnais pas un là-dedans, là. Merci, vous pouvez partir. Inspecteur, la concierge, j'aimerais vous parler. Abruti. Comment ça? Abruti. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Abruti, revenir une autre fois, c'est parce que j'ai pas le temps, là. Inspecteur, on vient de découvrir que la victime avait un yacht au lac Saint-Jean. Un yacht au lac Saint-Jean? Exactement. Et quel est le nom de ce yacht au lac Saint-Jean? Yacht Tremblay. Excellent, merci. Tiens, médecin légiste. Allez. Vous ne pouvez pas emporter le corps tout de suite. L'emporter tantôt. Tu as besoin d'une ambulance? Oh non, il rentre dans mon auto, il est petit. Puis qu'est-ce que vous allez y faire? Une autopsie.